The beast. Yeah, they're completely different. Like, it was wonderful to work as an ensemble with everyone in Defenders. C'est super de travailler avec un groupe, un collectif. But to carry your own show, that requires. It's a much more immersive experience when you do your own show because you're doing it. It's relentless. C'est une expérience plus immersive quand on fait son propre show, ça ne s'arrête jamais. And whilst that's kind of very, it can be very difficult, at the same time, it brings out a kind of rawness in your creativity, in your acting, because you're just like pounding it the whole time. Et vous avancez, ça fait avancer votre créativité, parce qu'en fait, vous n'arrêtez jamais. C'est une sorte de rouleau compresseur quand vous avez votre propre show, contrairement, bien sûr, versus un show dans lequel il y a un cast plus collectif, comme sur des. And I guess with the individual series, creatively, as a character, there's more growth, and that's on avance plus dans le personnage, sur son propre show. And she asked you another question. What happened to your hair? My hair. My hair. Well, for Luke Cage, I just been filming some of that. I'm not going to tell you how much. But yeah, we just cut my hair a little bit for Luke Cage, just to make Danny a little bit more. Il a coupé ses cheveux pour Luke Cage, mais il ne peut pas vraiment dire pourquoi. Il l'a coupé pour que ce soit un peu plus. Voilà. Do you like it? Is it a good look? Est-ce que ça vous plaît ses cheveux ou pas? Yeah, but I like when it was. Oh, big. I like yours. Voilà, I miss those days. Voilà, il préférait quand il y avait les cheveux plus. I'm uncomfortable with all this hair. I'm sorry, dude. Voilà, Brian Michael Bendis n'est pas du tout à l'aise avec cette conversation sur les coupes de cheveux. Et il dit, voilà, il ne comprend pas vraiment pourquoi. Merci. Hey, I love this Iron Fist costume. Ah, j'aime beaucoup le costume d'Iron Fist. Venez juste deux secondes pour que tout le monde vous voit, parce que là, tout le monde ne peut pas vous voir. Yeah, come on. Photo. Alright, get him back in the queue. Well, you're obsessed by Santa Claus, right? Here he is. It's a real one. Are you going to make me sit on your knee? Oh, you look creepy. Alright, what's up? Père Noël. Père Noël de la saison, je pense. Un peu ça. Swear what? What were we talking about? Game of Thrones? First day on the set. Yeah. Just gonna stretch a little bit. So first day on the set, you pitched yourself, it was incredible. You didn't know it was going to be this huge. No. It wasn't until, I think, really the third season. I think it was after the Red Wedding. C'était pas avant la troisième saison. I remember opening up a newspaper, and on page 3 was Robb Stark dies. I was like, what? This is a newspaper. Like, that's a fictional television show, and you're reporting it. Du coup, il a ouvert un journal et il a vu qu'en page 3, il y avait écrit Robb Stark est mort. Il a dit, mais qu'est-ce que cette histoire? On est dans un journal sérieux où on parle des news, des choses qui se passent dans le monde, et en page 3, on parle d'une histoire fictionnelle comme si c'était un truc qui avait vraiment existé. And it was then I realized that, well, this show is big. Like, this show has gone out of control. C'est là qu'il s'est rendu compte que le show était incroyable. Quand vous avez lu le scénario la première fois, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage? What did you like about your character when you read for the first time who you're going to play in Game of Thrones? I like the fact that he had a duality to him. Il a une dualité chez lui. On one side, he was a very lavish, effeminate gay man. You know, that wasn't. C'est d'un côté un homme gay, efféminé, de lui. You know, that enjoyed the finer things in life. Il aime les bonnes choses dans la vie. But on the other side, he was a very determined, fierce warrior. Et en même temps, c'était un guerrier déterminé et violent. And I really enjoyed it. And I feel like it is different now. But when we first started to make that show, there wasn't really that many gay characters in television that weren't just stereotypes. Il y avait pas beaucoup à l'époque de personnages gays, homosexuels, qui n'étaient pas stéréotypés. So I like the fact that, you know, I was playing a gay character that wasn't a stereotype, that was still strong and very masculine, but wasn't afraid to embrace the feminine in himself. Un personnage homo, mais qui n'avait pas peur d'être à la fois féminin, mais être très mâle en même temps. Yeah. So,
was pretty cool. Great, great. Were you aware of the Game of Thrones books before you get on this horse, particular horse? I'm not like what he did that. Yeah. Je lui ai demandé s'il connaissait les livres Game of Thrones avant de monter sur ce cheval. No, I wasn't. No. It wasn't until I got the part that I read the book. En fait, lui, il n'avait jamais entendu the parler. Books are great. Have you guys read the books? Est-ce que vous avez lu les livres? Yes. Qui a lu les livres Game of Thrones? Oh my God. More of you should be reading the books. They're fantastic. Il dit, oh, vous devriez être plus nombreux à avoir lu le livre. Vous voyez-vous la différence entre les livres et justement et le show? Do you see the difference between the books and the TV show? We were talking about difference between comics and Marvel TV show yesterday with Brian Michael Bendis, right. And he said you have to read comics to know the characters deeply. Hier on avait un panel avec Finn et avec Brian Michael Bendis, le scénariste de bande dessinée, créateur de Jessica Jones. Il vous disait, peut-être vous étiez dans la salle, il disait il faut lire les comics si vous voulez vraiment connaître les personnages de super-héros et pas seulement les regarder dans les séries. Yeah, the television has done a really great job bringing the books to life. And I think, you know, if you just want added kind of insight to that world, it's great to read the books because it just fills in all the gaps. It just makes it feel like more juicy. Les livres, en fait, le boulot est évidemment extrêmement bien fait à la télévision, mais si vous voulez vraiment remplir tous les petits trous que vous voyez, des trous de scénaristique, de scénario que vous voyez dans la série, et vous voulez savoir vraiment jusqu'où vont les personnages, il faut absolument